on se retrouve aujourd'hui sur The Last of Us Remastered. Et aujourd'hui les mecs, j'ai décidé de me la jouer avec le shorty et le fusil à pompe. Je suis trop un gueudin. Donc lui, on sait, on l'a vu. Voilà, ok, on peut pas le marquer. C'est pas grave, mais on l'a vu. Ça, c'est le principal. Donc, j'ai le fusil à pompe et le shorty. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des dégâts, on est vraiment pas mal. Le truc, c'est que voilà, il va falloir très très bien viser. Pas comme, comme ce que je viens de faire, là. Tout est terminé pour toi. Pourquoi tu l'as tué? C'était le mien. Je voulais laisser venir son collègue, là. Quel enfoiré, tu vois. Je vous baise. Ça commence bien, les gars, ça commence bien. Désolé, j'étais un peu concentré. T'aurais pu me laisser, c'était mon mien. Ah bah ça va, je le bute, mais bon, ça va pas compter, tant pis. C'était mon mien, ouais, je parle bien français, qu'est-ce qu'il y a? Donc, bah écoutez, oh putain, bah écoutez, on est mort, hein, on commence bien, très bien. Ça a été un petit peu trop rapide, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on disait? On va déjà améliorer ça. Cool. On s'est fait plaisir déjà, on en a niqué trois, je crois. Sauf qu'il y en a un qui a pas compté. Et donc, ouais, on va essayer de jouer avec le fusil à pompe. Pour jouer au corps à corps. Et voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'avais acheté le fusil à pompe. Je me suis dit, il doit déboîter sa mère. Mais je jouais jamais avec. Par contre, les gars, faites pas trop les malins. Hein, faites pas trop les malins. On va faire des caisses, nous. Ok, salut. Reste avec moi, poteau. S'il te plaît, reste avec moi. Ok, donc lui, alors là, lui je l'avais, mais alors carrément pas vu. Par contre, c'est bizarre, les ennemis ils réapparaissent super vite. Voilà, ok, je me casse. Je trouve que les ennemis réapparaissent, mais alors à une vitesse. Je me barre. Restez pas là, les gars, ça va arriver sur notre tronche, on va rien comprendre. Oh, ils réapparaissent super rapidement, c'est un petit peu bizarre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'en veulent, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah ouais, mais les poteaux, non, je veux pas être le seul à jouer encore une fois. Non. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. On perd trop d'hommes. Va chercher ton bonheur, toi. Wouah! Eh, ferme ta gueule, crève. Faut que je me casse de là, moi. Faut que je me casse de là. Hop! Putain, non, c'est pas juste. Clairement, c'est pas juste, les mecs. Dites-le, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Non. Je fais tout bien, là. Merde! J'étais bien, j'étais chaud, j'étais... Non? Bah non. Y a aucun collègue qui vient m'aider, putain. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? T'as vu? Bon, c'est la quoi, là? C'est la quatrième journée, il me semble. Quatrième journée de la sixième semaine. On s'approche tout doucement des 12 semaines, même si c'est long. J'avoue, je me suis aventuré là-dedans. C'est chaud à faire, hein, parce qu'après, il y a l'upload, tout ça. Mais ça reste un kiff, là. Et ouais, au fait, je voulais aussi vous dire... Bon, je pense que vous l'avez vu. Après, je sais pas, ça dépend si vous regardez toutes mes vidéos ou pas. Mais en ce moment, je suis en train de vous faire le Let's Play The Last of Us. Donc tous les dimanches, tu auras une vidéo sur The Last of Us, sur le solo, le let's play, qui est tout simplement excellent, je vous le dis. Voilà, bon bah lui je vais l'achever pour le coup. Oui, putain. Est-ce que je peux me soigner vite fait? Ouais, je vais prendre une armure tout de suite. Ok, c'est bon. Par contre, là, il y a des enfoirés là-bas. Un de moins. Je leur lance un fumigène. Comme ça, il ferme sa gueule. Voilà. Et moi, je me barre. Ciao. Ciao, les blaireaux, ciao. Par contre, je vais pas tout faire, les poteaux, là. Ça, c'est clair et net.
Alors je sais pas si c'est moi qui suis bon juste aujourd'hui, parce que d'habitude je fais de la merde, ou si c'est les mecs qui sont juste nuls, mais clairement on va falloir se réveiller. Moi je vous le dis les potos, va falloir se réveiller. Par contre j'ai des pièces à moi qui sont carrément de l'autre côté, faudrait que j'aille les rechercher. Je m'en souviendrai, je m'en souviendrai. Merci poto, il m'a tout donné. Lui c'est un bon lui. Y'a personne en face là-bas, non. Je vais chercher mes pièces plus la caisse. Ce sera déjà ça de fait. Putain, mais on va la perdre. Hein. Ça fait chier de la perdre. Tain, là, franchement, je pense que j'ai bien commencé et tout. Et on va réussir à la perdre. C'est nul, mon gars. C'est nul. Ah ouais. Ah ouais, mais les gars, ils foncent dedans. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça que je comprends pas, là. On perd trop de vie, ah ouais. Et lui, il donne la position. Enfumons-les. Putain de merde! Et c'est un coup de fusil à pompe, c'est pas une armure qui va arrêter ça, quoi. Putain. Ah, je vais rager, ça m'énerve. En plus, je suis sûr que j'ai fait une bonne partie, là. Enfin, en tout cas, j'avais bien commencé. C'est mes collègues qui suivent pas. Ça m'énerve. C'est toujours tout rien, quoi. C'est soit c'est moi qui fais de la merde, soit c'est mes collègues, quoi. Et là, voilà, ça fait chier, ça fait chier. Je suis touché. Ouais, bah viens. Je vais pas tenir. Cible atteinte. Wow! Pourquoi ça baisse plus mon perso là? Je peux pas tout faire, je peux pas tout faire, clairement je peux pas tout faire. Tant pis. Voilà les gars, première journée. Hein. De toute façon, le début de la semaine 6, c'est le pire début de semaine que j'ai fait. Donc clairement, on va finir la semaine comme on l'a débuté, c'est-à-dire en faisant que de la merde. Non mais je voudrais bien voir mon score par... Merde, oula, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais bien voir mon score, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, 8 à terre, 6 exécutions, 4 morts. Je suis mort que 4 fois, j'en ai mis 8 à terre et j'en ai tué 6. Eux, mes collègues, ont fait 1 à terre, 2 exécutions, ils sont morts 6, 5 et 7 fois. J'ai vraiment pas de chance, en fait. Je tombe que sur des collègues qui arrêtent pas de crever. Autant, moi, je mens pas, hein. Vous voyez dans tous les gameplays. Autant, je peux faire de la merde. Mais alors, je ne suis pas celui qui meurt le plus de fois. C'est-à-dire que je donne pas nos vies au mec en face, quoi. Et à chaque fois, je pense que c'est ce qui nous fait défaut. Enfin, à chaque fois, je tombe avec des mecs et c'est ce qui fait défaut. C'est que moi, je meurs pas beaucoup de fois, mais mes collègues, ils arrêtent pas de crever. Et voilà sur quoi on finit. Voilà, voilà. Bon, prochaine journée, les mecs. On a l'habitude. Allez, on enchaîne avec la cinquième journée, si je dis pas de bêtises. On a encore pris le fusil à pompe. Et on va essayer de rusher tout ça, les enfants. Oh putain, vous l'avez vu le mec là-bas? Un fusil, fais gaffe. Ok. Bien joué à lui, ok, ça attaque direct. Pas de soucis les mecs, s'ils savaient la jouer comme ça, pas de soucis. Là-bas il y en a un en face. Et là-bas aussi. Ok. Donc il y en a deux. Je l'ai touché, hein. Ok, ferme ta gueule. Surveille les arrières, toi. Il y en a encore un, les gars. Faites gaffe, il y en a encore un. Lui, il meurt, il va crever. Est-ce qu'il s'est enfui ou il nous attend? Il nous attend. Attends, vite, fais ça. Fini, on bouge. Ça va péter. Voilà. Ah le bâtard, bien joué. Derrière toi, gros. On l'a eu. Non.
Allez, les poteaux, venez m'aider. Ah non, ils sont morts à deux. Ah, tant pis, c'est pas grave. C'est de ma faute, j'aurais dû regarder derrière, mais j'ai voulu tenter la petite bombe basse. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Faut que je reste concentré, vraiment, parce que là, c'est une mort bête. D'ailleurs, j'aurais dû vraiment... Celle-là, j'aurais dû l'éviter, par contre. J'aurais dû l'éviter. Je suis mort une fois, hein. C'est bon, ça va, hein. Non, mais les collègues, en plus, là, ça a l'air d'être... Peut-être de mieux jouer, parce que l'accueil a un peu changé, comme il y a beaucoup de monde qui arrache quitte. Hein. Je crois que c'est mon équipe d'avant, là, pratiquement. Il y en a deux qui ont rage quitte déjà, je crois, tu vois, donc... C'est pas grave, mais bon. Ah, déjà, on a 7 Bastos. Il y en a encore un. Ok. Donc toi, je t'exécute. Toi, je t'exécute. Ok, lui m'a vu. Voilà, ferme ta gueule. Les poteaux, ils arrivent. Attends, il vient jusque moi lui ou pas? Est-ce qu'elle y va? Ça va péter. Alors ça c'était une super bombe, hein, c'est... on m'applaudit. Oh mon dieu, cette bombe de merde que j'ai lâchée. Attends, lui il y a peut-être moyen de l'avoir par surprise. Les deux Bastos? Elles l'ont pas touché, bon ok, toi va t'y back quelqu'un d'autre, je préfère faire ça, voilà. Je préfère même pas te voir, comme ça je vois pas ta tronche. Mais les deux balles, clairement, elles l'ont pas... Elles l'ont pas touché, quoi. C'est un petit peu spécial. Je vais améliorer le fusil à pompe tout de suite. Oh, c'est bien joué, ça, c'est bien joué. Ça, je pourrais l'acheter, le truc du surinage, là, en fait, comme ça, quand tu butes... Un mec, ça le fait de façon stylée comme ça. Mais j'ai pas envie de l'acheter. Enfin, ça fait stylé, mais j'ai pas envie de l'acheter, quoi, tu vois. J'ai pas envie de dépenser 1 euro dans ça. Non, mais c'est cool, n'empêche, hein, ça, qu'on puisse acheter ce qu'on veut dans le jeu. Petit bout par petit bout. Alors, par où ça viendrait, là, les copains? Ok, toi, t'en as eu un. C'est super bien joué, poteau. Lui, c'est le maître du surin, hein. On va l'appeler comme ça. Toi, tu donnes trop d'indices aussi en te levant, connard. Oh, mais regardez, sérieux, la première, elle aurait dû le toucher, c'est dégueulasse, quoi. La première, elle aurait dû le toucher. Merci, les gars, de me réanimer. J'aurais dû vous réanimer tout à l'heure quand il y avait les deux mecs à terre, je l'ai pas fait. Grand bien vous fasse. Voilà, c'était le temps qu'il crève. Hey, je me suis barré. Non, je me suis barré. Je l'ai même pas vu son cocktail arriver. C'est dégueulasse. En plus, je voulais réanimer mon pote et tout. Je sentais le truc trop bien. Eh ben non. Bon, par contre, faut qu'on arrête de foncer dans le tas. Parce que là, c'est vrai qu'on s'aventure un petit peu comme des fous. Ah mais foncez pas tout de suite les gars, foncez pas tout de suite. Ah nani 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 nana. Ok, c'est bon. Ouais, attends, je vais être obligé de les suivre parce que là si on se sépare, c'est là qu'on va commencer à faire de la merde. Donc je préfère pas qu'on se sépare. Il ferme. Putain, je sais pas ce que j'ai, si c'est moi, je sais pas ce que je fous avec mon analogue. Il vise en l'air, j'arrive pas à rabaisser, c'est trop bizarre. Et lui, par contre, au surin, il est trop balèze. Hein. Bien joué, gros. Il s'éclate au surin, lui. The Cog Gamer, GG à toi. Franchement, tu te balades. J'aimerais bien, ça, vraiment, gérer le... La façon de jouer au surin. Il y a une façon de jouer. Et franchement, j'aimerais bien savoir jouer au surin. Quoi. Ça me ferait vraiment kiffer, mais bon, après, faut savoir jouer, j'avoue. Au surin. Mais non, vraiment, c'est... J'aimerais bien. Ah, mes potos, tu donnes trop d'indices en courant d'un coup, là.
On passe tous. Non, on va pas tous passer là, les gars. Ok, on va dire que... Alors je le savais qu'il y en a qui me visaient, je le savais. Bombe avancée, fais gaffe. Je le savais qu'il me visait cet enfoiré. Et voilà, vous voyez les gars, on était devant depuis le début. On avait des bons collègues et maintenant, eh ben on est derrière, on fait de la merde. Ah, y en a un qui me suit là. Là, derrière moi, ça va arriver. Je vais rien comprendre à ma life. Bon, bah, morcé, fais gaffe. Tu l'as eu ou pas? J'espère qu'il l'a eu. J'ai rien à craft. Ok, ils vont arriver sur nous. Et putain, ça m'énerve! Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est avec mon analogue, je vous jure. J'appuie trop, je sais pas ce que je fous. C'est le fait d'avoir le... Je joue pas assez au fusil à pompe, putain, je le sens que je fais de la merde, putain. C'est de ma faute. Mais regardez, on est déjà plus que deux, mais non, mais putain, ils jouaient bien en plus nos collègues, là. Pourquoi ils ont rage quit? Oh, ils font chier. Ils font chier à rage quit. Putain, mais non, les gars, franchement. Vas-y, on va dire que c'est la co qui fait ça. Allez, ferme ta bouche, toi. Ah ouais, d'accord, carrément. Je me suis pas fait respecter, là. Non, reste pas là, poteau, reste pas là. Ils vont nous contourner, c'est sûr et certain. Nicor là. Fils de pute, je le savais. Je voulais le dire, je vous jure, je voulais le dire qu'il allait être là cet enfoiré. Ah non, mais putain, je suis trop con. Ouais, non, en fait, c'est vraiment la semaine là, faut qu'elle se termine parce que. Oh, j'ai trop fait de la merde, mais c'est abusé quoi. C'est abusé. Putain, 2 contre 3, mais pourquoi y'a plus personne dans la partie? Je pige pas là, et ça rage quitte, c'est quoi le délire? Il y a moyen à pas trop comprendre. Fini, on bouge. Allez, vas-y, pour maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, poteau? Parce que là, ils vont arriver. Hein. Ça va arriver. Hein. Si on se met dans le coin, tu sais que ça pue, ça. Ok, il y en a un là. Non, pas là. Mais non, mais suis-moi, il est con. Il est con, fallait me suivre, gros. Fallait me suivre. Ah ouais, là, il a fait le con, lui, il a fait le con. Dernier survivant, bah ouais, j'ai juste une envie, c'est de me barrer, de me cacher dans un coin. Là.
bombe avancée, fais gaffe. Attends, il est où le deuxième, il est où le deuxième? Coup de machette, il a pas pris! Il a pas pris le coup de machette, putain! C'est injuste, c'est injuste. Allez, on va la finir cette semaine de merde. Attaque des maraudeurs. Les maraudeurs ont attaqué les camps de la région, amélioré la formation du groupe pour combattre les maraudeurs, attirer de nouveaux membres. Ouais. Bon, comme vous l'avez vu, il y a l'attaque des maraudeurs. Donc, si on veut avoir de nouveaux membres, il faut réussir un défi. Et donc moi, j'ai décidé de mettre des ennemis à terre avec le fusil à pompe tactique. Tout à l'heure, je me suis plaint, ouais, les mecs, ils tombent souvent, nanana. Putain, je suis mort, je sais pas combien de fois, là, 7 fois, je crois. C'est beau, hein, c'est bien, okay. Bien joué de ma part. La bombe est amorcée, fais gaffe. Merde, je l'ai pas touché, ce con. Mais de où? Le mec qui met 2 balles avec la semi-auto, je tombe. Non mais... Okay, c'est bon. Je pense qu'il m'a mis 2 balles. Après, je veux bien que ce soit à bout portant, mais moi, je lui ai quand même un coup de fusil à pompe dans la tronche à bout portant. Donc, il y a headshot au pire, tu vois. Non. C'est pas de la mauvaise foi, les gars, je vous le dis. C'est vraiment, des fois, je me demande. Télé, on bouge. C'est pas grave. On continue. Putain, y'a l'ordi qui gueule à mort là, je sais pas ce qui lui arrive. Ok. A voir, y'a personne. Ah si. Allez! Putain, j'allais dire, mais alors jamais tu l'exécutes là. Bah tu lui en mets, tu lui en collines. Putain. Y'a un moment, faut se faire respecter quand même, putain. Ah, sérieux, quoi. Couvre-moi, il faut que j'aille me soigner. Par contre, là, j'ai l'impression que nos collègues, ils sont vachement à rester en groupe. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Et de toute façon, il va falloir que je fasse toutes mes parties comme ça maintenant. Je vais vraiment coller tout le monde. Parce que... Ouais, parce qu'on se fait baiser à chaque fois. Donc, autant rester ensemble. Soudé, t'as vu, ouais. Non, mais vraiment, c'est ce qu'on va faire. Allez les poteaux. Fumigène, je vais en faire un aussi, tiens. Ça va nous servir parce que eux en face, je crois qu'ils restent un peu ensemble aussi. Et donc là, c'était quoi? C'était pas un ennemi ça? Ah si, mais il est mort. Il est mort, ok. Ok, il est mort. Aïe 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 aïe, elle a failli être pour moi, hein, celle-là. Ah non, excellent. Il où cet enfoiré? Je me le fais, désolé, il me faut des pièces. C'est dégueulasse, c'est ce que je vais te faire. C'est dégueulasse. Allez les poteaux, allez. Bon, celle-là, je pense qu'on va la gagner, normalement, hein, si tout se passe bien. À moins qu'ils soient déjà là, les enfoirés. Ok, t'en as 8 bastos de shorty. Ça, c'est cool, t'as revu, man. Viens, on dit qu'il y a personne, et puis on peut y aller, et puis on va pas mourir. Ouais, allez. Allez, on y va, allez, les gars, allez, allez. En fait, c'est ça, faut toujours que je reste avec les collègues. Y a pas à chier. Surtout qu'ils, ouais, ils foncent dans le tas, ils se la jouent bien. Ça fait plaisir. Donc toi, déjà, tu nous attends. Cadeau de la maison. Oh, le fils de pute. Je me soigne, s'il vous plaît. Non. Mais non, je suis derrière le mur. C'est pas abusé, ça. J'étais derrière le mur, là, les gars. Non?
Non ? Bon, bah j'étais pas derrière le mur alors. Help me non plus ? Bon. Ok, les mecs jouent le kill, mais ils viennent pas nous aider à réanimer tout ça. Bon, par contre, je crois que je vais pas faire beaucoup de points, du coup, ça fait chier parce que les mecs, comme ils rushent comme des malades, ça va être vite fini. J'aurais le temps de rien en fait. Je crois que j'ai mis juste un mec à terre et encore, je suis même. Non, j'ai exécuté un mec, j'ai volé le kill en plus. Mais ouais, j'ai pas. Moi, je dis que ce serait plutôt par là, non? Ouais, pas manqué. Donc, on va se faire une petite bombe. Il y a un mec en. Non, il est en dessous cet enfoiré en fait. J'aurais pas dû me lever. T'as pas un de moins. Ok. On m'en veut, très bien. J'ai besoin d'aide ici. C'est les fumigènes. Attention, bombe. Allez, viens m'aider. Aide-moi. Ah, putain. Ça, c'est joué à ça, quoi. C'est pas grave. Il nous fera plus chier. Bon, bah là, encore une fois, hein, j'arrête pas de crever. En fait, c'est le karma. Cette semaine-là, la semaine 6, c'était la semaine du karma, en fait. J'avais juste à fermer ma bouche, et puis voilà quoi. Tant pis, tu te plains trop, gros. Ah ouais. Ah oui, mes pièces, c'est vrai, j'avais oublié. J'en ai mis à terre quand même, faut pas zapper ça, hein. Ça se prend, bah bien sûr. Parce que là, il me faut 53 provisions, et j'en ai que 19, tu vois. Ça enlevait pas trop. Bon, bah, morcé, fais gaffe. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon. Y'en a un en haut, non? Surprise les gars, la mort vient du ciel. Et l'autre il me contourne à droite, il croit que je le sais pas lui. Il est beau mon fusil à pompe, il est beau! Il y en a pas un qui est là? Il en reste que quelques-uns. Bon, je crois qu'il y en a. Hop, hop, c'était pour moi, les gars! Salut, c'est moi le boulet de l'équipe! Merci les gars, je suis tellement nul! Oh là là là, c'est ouf! La première partie, j'étais bien, et là, en fait, je suis que de la merde. Tu crois qu'on le savait pas peut-être. Ok, je me barre. Touché. Couvre-moi. Je croyais que ça allait plutôt revenir à côté, mais non. Ok, à l'étage. Ok. Allez, venez les enfants, venez! Tiens bon, je vais te soigner. Mais non, putain! Mais j'étais en train de descendre les escaliers, le feu, ça touche pas les escaliers! Non mais ouais, c'est le karma, cette semaine là c'est le karma, putain je suis, aïe, putain je suis tellement nul, et je parlais même pas depuis tout à l'heure en plus, j'ai beau être à fond dedans mais je fais de la merde. On va dire qu'excuse, c'est le fusil à pompe, hein, j'ai pris le fusil à pompe, c'est pour ça, j'y arrive pas trop.
Oh non, putain, sérieux. Non, mais c'est con, mais même en perdant, en fait, je prends du kiff sur le jeu. Tant pis, quoi. Je perds, ok, mais tant pis, tant pis. Par contre, les mecs, quoi, ils se font déchirer quand même, quoi, putain. Écoute, moi, je vais créer des objets, ça me fait des points, hein. Il y en a là. Bombe amorcée, fais gaffe. On l'a eu. Direct. Allez. À la morgue. Dis au commandement que ciao. Normalement que tu respawns comme ça, tu veux faire quoi? Tu veux te battre ou quoi? Bon bah les gars, écoutez, j'ai fait du 3-4-4. Super. Dernier jour de cette semaine complètement fantastique, qui a été tout simplement incroyable en termes de gameplay de ma part. C'était génial. C'était génial. Bref. Le karma, il va arrêter de m'embêter. Et il va me faire faire une bonne partie, le karma, ok? Parce que moi, j'en ai marre. Hein. Couvre-moi. Par contre, là, les mecs, ils ont tous avancé en mode chacal, tu vas voir. Ils sont tous en mode chacal, c'est sûr et certain. Ok, c'est bon, bouge. On va se prendre un revers, on va rien comprendre. Voilà, ils sont déjà de l'autre côté. Un vagabond. Ok. Il est pas à terre. Hein. Deux coups de fusil à pompe, mon pote, il est pas à terre. Très bien. Très très bien. Logique respectée. Tout à l'heure, je me prends deux balles avec la... Avec la semi-auto, alors que j'avais mis un tir en pleine tête. On va pas reparler, d'accord, ok, on n'en reparle pas. Ok, ok, c'est tout. Non, mais bon, faut dire les choses, les gars, faut dire les choses. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as des spasmes? T'as des spasmes, gros? Ok, j'ai cru, mais non. Je croyais qu'ils... J'allais dire, peut-être ils nous l'ont fait à l'envers, ils sont restés dans leur spawn depuis le début, puis en fait ils nous attendent. Okay, quoi. Il y en a, ils le font, hein, il y en a, ils le font. Hein. Si, 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 je vous jure, j'ai déjà vu. Hein. Allez, la petite bombasse. Par contre, là, ils sont déjà là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Ok. Oh, toi je t'ai vu. Toi je t'ai vu. Bien joué, gros, bien joué, bien joué. Je l'ai pas vu me contourner en fait. Je vais le laisser avancer lui. Il a l'air un peu trop fier de lui. C'est celui que j'ai touché tout à l'heure en plus. Il s'est déjà cassé, je crois même qu'il a mis une bombe ce bâtard. Moi. Eh ouais mon pote, tu fermes ta bouche, tu fermes ta bouche. Ça fait mal? Un de moins. Ça fait mal ou pas? Des patates dans la gueule, ça fait mal ou pas? J'aurais pu le suriner mais non, des grosses patates dans sa gueule à cet enculé là. Ça lui fera du bien. Ouais, on va peut-être se revive, se rafistolager. Oui, oui, ce verbe existe. Attends, il y a un poteau. Il y a un poteau qui est là, il y a un poteau qui est là. Viens ici, j'espère qu'il n'y a personne avec toi. Tiens bon. Merci bien. Voilà. Ouais, j'ai mis remonte en 3 pour une fois. Et c'est vrai que je reste pas assez près des collègues pour les... Pour les aider justement. Ok, c'est bon. Bon. Pour l'instant, on fait le taf. Faudrait pas que le karma vienne nous refaire chier encore une fois. Okay. Je sais pas s'ils sont là. Là, j'ai un doute. Où est-ce que t'es, mon pote? Où est-ce que t'es? Il est pas tout seul, il est pas tout seul. Là, un chasseur.
Fils de pute. Je le savais. Je l'avais dit juste avant. Je le savais qu'il y en avait un là, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ouais, forcément, il va contourner, cet enfoiré. Bien joué à lui, bien joué à lui. Ce sont les poteaux, ça tire des flèches. Ça tire des flèches. Ah, là, 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 là. Bon, on va rusher un petit coup. On va aller dans la maison, là. Parce que je pense que ça se passe ici. C'est ici que ça se passe. Bon, on va dire que c'est là que ça se passe, hein. Ok, trop calme, trop calme. Elle marche encore la bombe à la fenêtre ça ou pas? Ok, donc il y en a bel et bien là. Enfumons-les. On va protéger les poteaux. Putain, le fils de pute qui a trop bien joué. Mais encore une fois, je suis pas sûr, mais je pense que ma bastos... Enfin là, après, je vois qu'il y a plein de cendres, mais je pense que c'est quand il m'a exécuté. Mais je sais pas si ma balle, elle a touché ou pas, là. Encore une fois, j'ai un doute. Mais j'étais proche, quand même. Non, mais je sais pas si j'ai tiré vraiment à côté ou si... je sais pas. J'ai pas bien fait attention, là. Par contre, vous voyez comment il remonte, c'est dingue, quoi. C'est dingue, c'est moi, j'ai un mauvais karma sur The Last of Us. Putain, ce qui m'énerve, c'est qu'avant, je vous jure, je jouais trop bien. Ça se passe toutes mes parties, franchement. Enfin non, peut-être pas toutes mes parties, mais j'en gagnais vraiment pas mal, quoi. Franchement, je m'éclatais, quoi. Après, tu me diras, on joue à plusieurs aussi, donc ça y joue aussi, hein. Ça, faut pas se le cacher. Parce que quand t'es en équipe, tu peux annoncer, tu peux... Voilà, lui, il est là, ta-ta-ta-ta-ta, tu vois. Continuez comme ça. Attends, je te rush. Oh non, en fait, c'est pas vrai. Y'en a un autre, les gars. Mais comme là, putain, mais... Les balles, c'est dans la tête que tu les as eu, poteau, non? Non? C'est ouf, ça, c'est ouf. Et le pire, c'est qu'on va perdre. Même si on est en 8-4, on va perdre, les gars, je vous le dis. Là-bas, il y a un kit. Je vais y aller. Fini, on bouge. Ah là là. Mais ouais, enfin là, après, c'est parce que comme je fais tout en vidéo, je peux pas jouer avec d'autres personnes, en fait. Parce que sinon, vous allez pas entendre les personnes. Ou alors, les personnes vont jouer avec moi, mais elles m'entendront pas, donc c'est pas... Le but, ce serait plus que, voilà, on soit tous ensemble. Et qu'on puisse jouer en parlant et que voilà sur le gameplay j'ai le son de toutes les personnes tandis que là c'est pas le cas. Putain, attends, je fais quoi? Je tente ou pas? Je tente hein, mais ça pue du cul. Impossible. Attends, je prends mes pièces avant que ton pote vienne me rusher. Voilà, salut. Je me casse. Au secours. Les gars, je vais crever. Ah, ça va. J'ai eu de la chance. J'étais juste venu chercher de la vie, tranquille. Monte la garde. Mais faut faire quelques kills quand même, les gars, quand même. Tu vois, comme j'ai mis le truc là, le défi de faire des kills au fusil à pompe, forcément je peux pas changer d'arme. Hein, donc je suis un petit peu. J'aurais peut-être pas dû choisir cette arme là. Bon, après, voilà, j'ai envie de tenter un petit peu toutes les armes, donc c'est pour ça que je change aussi. Mais... Protège-moi. J'avoue que c'était pas très judicieux okay, de ma part, bon. Vous comprenez? Attention, poteau, ça va arriver là-bas au bout. Là-bas.
Tire, mais tire, pourquoi il tire pas avec le shorty? Mais non, fallait tirer avec le shorty, pourquoi il a pas tiré? Mais ouais. Putain, mais non, c'est un truc de malade. Il a rechangé d'arme, je comprends pas. Pourquoi il a changé d'arme? Ah ouais, ils vont revenir. Je vous l'ai dit, on va perdre. En plus, on est plus que 3. Encore un coup, il y en a qui a rage kit. Putain, le rage kit, sérieux, sur The Last of Us. C'était pas ça avant, les gars. Il y en avait pas. Hein. Donc, clairement, il y en avait pas. J'ai jamais connu le jeu avec autant de rage kit, quoi. C'est un truc de malade. Fais gaffe à toi, poteau. Ah ouais, t'es sérieux là. Il faut battre retraite. Quand il faut savoir se retirer quand point ne faut. Hein. Ok, lui je l'ai vu. Vous allez voir qu'on va perdre. Je vous l'ai dit, on va perdre. C'était vraiment une semaine de merde. Et l'autre, il arrive derrière moi. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. T'aurais même pu me suriner, poteau. T'avais bien fait le truc. Bon, 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 bon. Ben, va falloir retrouver du niveau, hein. Parce que quand The Last of Us 2, il va sortir... Bah, il va falloir retrouver du niveau. Moi, quand j'ai pris le jeu à la base, je m'en sortais bien. Là, clairement, je suis... Non, je suis dans les faibles. J'y arrive plus. C'est con, hein. C'est con, putain. C'est con. 500, là... Ouais, ok. C'est quoi, ce truc, là? Ah, c'est un casque. Je me demandais ce que ça taille. Allez, butez-moi, s'il vous plaît. De toute façon, je suis bientôt dead. Voilà, mort subite. Hop. Laisse béton. On était carrément devant, hein, les gars. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Ce jeu est ouf. Il te fait passer par plein d'émotions. Hop. Mettre une bombe ici. Bombe, ok, le pote est mort, ça fait plaisir. Allez, crève, donne-moi tes pièces. Ah, bâtard. Rien. Ils savent que je suis là, ces bâtards. Kiki, il s'est buté tout seul, quoi. Merde. Merde, il y a un moment faut mourir, merde. Et le pire c'est que je suis le meilleur alors que j'ai fait que de la merde durant la partie. Bon bah écoutez les gars, on va s'arrêter ici, c'est la fin de cette 6ème semaine, clairement j'ai fait que de la merde. J'ai fait des kills mais alors dans le gameplay c'était pourri, c'était la pire semaine que j'ai fait. Donc il reste 6 semaines. Et les 6 prochaines semaines clairement il y a intérêt à ce que je fasse beaucoup mieux que ça. Parce que clairement je suis pas au niveau, je le sais, moi-même je le sais, je suis pas au niveau de ce que je pouvais faire avant et ça me les fout là, je vous l'ai dit. En fait, à chaque fois que je joue à The Last of Us, je suis dégoûté parce que j'ai plus le niveau d'avant, quoi. En fait c'est ça, je me suis dit ça va être cool et tout, je vais leur montrer mon niveau, mon cul, ouais. Bref les gars, non mais je m'amuse en fait, je m'amuse, même si je perds je m'amuse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série sur The Last of Us. Et puis voilà, allez ciao.
Peace.